Very wise words from a very wise woman. Now it is my pleasure to introduce to you someone well known to you, my friend, former Colombian presidential candidate and member of the Colombian Senate from 1998 to 2002, Ingrid Betancourt. Merci, Linda. Nous sommes invités à réfléchir à la place des femmes dans le monde d'aujourd'hui, et en particulier quand ces femmes sont attaquées froidement, violemment, par des États dans le monde, et en particulier par l'État iranien. Alors, la première réflexion que je voudrais partager avec vous, c'est celle de nous regarder en tant que femmes, celles qui sont ici, dans le podium, celles qui sont en face. Nous sommes des femmes du 21e siècle. Nous sommes libres, nous sommes fortes, nous sommes courageuses, nous avons une voix, nous avons un cœur, nous sommes instruites, nous travaillons, nous avons des familles que nous aimons. Nous sommes des femmes intégrales. Cette capacité que nous avons est le fruit de la lutte de beaucoup d'héroïnes qui nous ont précédées. D'héroïnes connues dans l'histoire, comme des Jeanne d'Arc, comme des Bénazir Bhutto, comme des Mère Teresa, comme des femmes comme Thatcher, comme Angela Merkel, qui ont laissé une trace dans l'histoire du monde, mais aussi des millions d'autres femmes qui ont changé le rapport entre les hommes et les femmes à travers les siècles de façon anonyme, et nous sommes leurs héritières. Et comme nous sommes leurs héritières, nous avons des droits, mais nous avons aussi des obligations. Et la première obligation que nous avons, c'est de nous regarder les unes et les autres, en sachant que nous provenons toutes de pays différents et de cultures différentes, et que nous aspirons toutes aux mêmes droits. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Eh bien, parce que souvent, et c'est un tabou du monde occidental, nous entendons trop souvent dire que les droits que nous jouissons, nous, les femmes occidentales, c'est le fruit de notre culture. Comme si l'absence de droits des femmes dans le reste du monde était un problème culturel. Et je tiens véritablement à insister sur cette réflexion. Parce que si le droit des femmes est un problème culturel, donc l'intégrisme islamique pourrait parfaitement être vu comme quelque chose de culturel auxquelles nous ne pourrions pas nous opposer. Or, nous le savons toutes, nous le savons toutes. Le droit des femmes, l'égalité des femmes est la pierre fondamentale de toutes les libertés, de tous les droits de l'homme, de toutes les démocraties de par le monde. Donc, si nous allons faire un hommage à toutes les femmes qui, dans le monde, luttent pour les droits que nous jouissons aujourd'hui dans cette enceinte, ici, à Paris, à la Défense. Toutes celles qui sommes ici, appuyées par tous les hommes qui sont ici avec nous et qui, avec nous, pensent qu'effectivement, le droit de la femme, comme le droit de l'homme, fait partie des droits humains, de l'espèce humaine à laquelle nous appartenons, alors je pense qu'il faut rendre hommage à la femme qui nous convoque aujourd'hui et qui porte le flambeau au XXIe siècle, le flambeau de la lumière dans la pire des nuits noires contre la liberté, contre la démocratie et contre les droits des femmes, et cette femme, c'est Myriam Rajavi.
Et je voudrais que nous réfléchissions à ce qu'elle a fait pour comprendre pourquoi nous sommes ici finalement. Alors, en ce moment, alors que dans le monde les femmes votent partout, que par exemple aux États-Unis, une femme comme Hillary Clinton se bat aussi pour avoir le droit d'être femme à la tête de la plus grande puissance du monde, eh bien en Iran, nous l'avons entendu, on nous l'a expliqué, les femmes n'ont pas le droit d'être élues. Elles ont été écartées de la possibilité de participer au pouvoir. 50% de la population de l'Iran ne fait pas partie de l'Iran. Et nous osons ici maintenir le mensonge de parler de l'Iran comme une démocratie. Nous osons maintenir le mensonge de parler d'élections hier en Iran. Élections alors que nous savons que ce ne sont pas des élections. Parce que les Iraniens n'ont pas la possibilité de choisir. Ils n'ont pas la possibilité de se présenter. Ils n'ont pas la possibilité de choisir parce qu'en plus, pour participer à ce grand mensonge, il faut passer par un espèce de filtre à plusieurs étages duquel les seuls qui sortent bénéficier, ce sont ceux qui sont acceptés par Khamenei, qui est donc, j'entendais Madame Rajavi l'appeler le guide suprême. Pouvons-nous continuer à utiliser ce mot « guide suprême » pour entériner une farce? Appelons-le pour le mot qui est le sien. Dictature suprême, dictateur suprême, oui. C'est un dictateur sanguinaire qui a travesti le Coran, qui a déformé le Coran, qui l'a manipulé pour le mettre à son service et au service de sa clique. Une clique sanguinaire, misogyne et corrompue. Alors, cette femme que nous voyons ici, eh bien, il faut comprendre, oui, qu'elle est bien ardue, comme dirait Madame Héritier. Elle a de la hardiesse. Elle a de la hardiesse de confronter à sa façon la dictature des mollahs. Et elle le fait d'une façon extraordinaire. D'abord, parce qu'elle décortique ce qu'est cette manipulation à travers de ces lois qu'elle dénonce. Elle nous a expliqué l'article 167 de la Constitution iranienne et comment cet article, finalement, permet l'horreur de l'abus de la femme, de son esclavage, de la pédophilie institutionnalisée par les mollahs. Faut-il ne pas employer les mots? Pouvons-nous encore fermer les yeux par souci d'être convenable, d'être politiquement correct, alors que les femmes sont torturées, violées, assassinées, emprisonnées? Les âmes, les femmes, oui, mais aussi les hommes et les enfants. Parce que quand un système touche aux droits des femmes, c'est parce qu'il veut tout simplement diviser pour avoir la possibilité que le reste de la population ne s'insurge pas, comme par exemple dans cette élection, dans cette farce d'élection, il présente des candidats qui sont ceux que veut Khamenei pour que le peuple iranien soit forcé, par chantage, à intériner un pseudo-État dans une pseudo-démocratie avec une loi faite d'anti-loi dans laquelle la loi qui est la possibilité de juger entre le bien et le mal dans une société devient la possibilité de donner à certains le droit d'abuser les autres. L'anti-loi imposée par les mollahs. Alors oui, Madame Rajavi, Myriam, notre Myriam, vous êtes une héroïne pour nous. Et vous l'êtes parce que
non seulement vous décortiquez et vous mettez à nu cette charia insoutenable, immonde, que nous ne pouvons pas même nous avouer de pouvoir même la lire, tellement elle rompt avec tout ce qui pour nous est important et fondamental à tous les niveaux. Mais en plus, Madame Radjavi, vous avez, et c'est ça qui est extraordinaire, vous avez créé une organisation qui est l'organisation qui répond et qui présente un modèle qui peut véritablement s'interpréter comme l'alternative pour l'Iran face au Mollah. C'est ce modèle-là qui est extraordinaire. La possibilité d'avoir réuni des femmes, oui, mais des femmes et des hommes. Des femmes et des hommes. Mais des femmes et des hommes musulmans qui ne renient pas le fait d'être musulmans pour avoir le droit de faire de la politique dans le respect des droits des hommes, des droits de l'homme, des droits humains. C'est une organisation que nous voyons, moi comme Linda, je suis là depuis beaucoup d'années, à regarder comment se construit cette organisation, une organisation dans laquelle les femmes ont une place de leadership majeure. Je voudrais voir ça dans nos parlements occidentaux, dans lesquels, encore aujourd'hui, nous nous battons pour qu'on nous laisse un petit peu de place, nous, les femmes, alors que nous croyons que nous avons tous les droits. Et voici une organisation musulmane dont la tête est une femme musulmane qui peut totalement, avec sa culture, son éducation, son bagage politique, son expérience, faire face intellectuellement à la déformation du Coran par les mollahs, mais aussi politiquement, en proposant une façon de s'organiser socialement pour les pays musulmans dans lesquels les femmes et les hommes peuvent travailler main dans la main, dans lequel l'égalité des femmes ne veut pas dire l'exclusion des hommes, dans laquelle l'égalité des femmes ne veut pas dire la quota pour les femmes, dans lesquelles les femmes ont, comme par exemple dans nos pays occidentaux, un certain nombre de sièges parce que ça fait bien, alors que nous qui croyons que nous avons tous les droits, nous nous résignons à avoir des petits espaces dans les démocraties occidentales, avec de célèbres exceptions, je le conçois. Mais là, nous avons une organisation dans laquelle les femmes sont partout. Les femmes sont à la tête. Les femmes sont aussi à la queue. Les hommes sont avec elles, à la tête et à la queue. Mais elles sont partout et elles sont majoritaires comme nous le sommes dans le monde. 50%, 51% des habitants de cette planète sont des femmes. Eh bien voilà, c'est ce que Madame Radjavi a fait dans son organisation. 51% de femmes et beaucoup plus qui sont actives pour donner la possibilité à l'Iran de se regarder devant une autre alternative, de se penser comme des musulmans qui veulent entrer dans le monde du XXIe siècle et non pas rester dans le Moyen-Âge du califat que proposent les mollahs. C'est une révolution. Oui, c'est une révolution. Une révolution qui casse les tabous, nos tabous de l'Occident, de croire que finalement, si les femmes en Iran ne peuvent pas être élues, c'est une question de culture. Madame Radjavi, vous détruisez, vous cassez nos tabous, nos préjugés de nous occidentaux qui voyons ce qui se passe en Iran avec cette espèce de recul à nous dire « oui, mais bon, là-bas, c'est différent, c'est une autre culture, c'est une autre religion ». Vous nous démontrez, avec votre combat, avec votre présence, avec votre intelligence, avec le fait que vous avez uni les femmes autour de vous, comme elle nous unit maintenant.
Vous avez uni les femmes musulmanes, iraniennes, derrière vous, qui viennent participer de la résistance iranienne tous les jours, de plus en plus, par dizaines de milliers qui payent le prix fort pour résister, mais qui sont là avec vous parce que vous avez réussi, Myriam, à être leur voix, à être leurs yeux, à être leur cœur. Et c'est pour ça que nous sommes, nous toutes femmes politiques, parce que nous sommes des politiques, celles qui sommes ici. Nous sommes ici aujourd'hui avec vous, derrière vous. Et nous sommes ici parce que nous voulons que vous soyez victorieuses dans votre entreprise. Nous voulons que vous réussissiez non seulement à changer l'Iran, mais parce que nous sentons tous finalement, tous ici, hommes et femmes, nous sentons que ce rendez-vous que nous avons aujourd'hui, c'est un rendez-vous avec l'histoire. C'est un rendez-vous avec ce siècle qui vient, qui s'ouvre devant nous, dans lequel nous savons qu'il ne peut être ce que nous rêvons d'être que si la femme est un acteur en plein avec les hommes dans la construction de ce nouveau siècle et que vous, vous êtes l'expression de cette lutte. D'autres femmes avant vous l'ont fait. Aujourd'hui, c'est vous. Vous êtes le flambeau de cette lutte. Et si vous gagnez, et si vous réussissez, eh bien, ça sera le monde qui aura changé. Je nommais, par exemple, dans ces femmes extraordinaires qui nous ont marquées, Benazir Bhutto. J'admire énormément Benazir Bhutto. Oui, elle aussi, elle était musulmane. Mais à différence de Myriam Rajavi, Benazir s'est installée dans le système. Myriam, c'est une alternative au système, mais une alternative musulmane, séculaire, démocratique et libertaire. Le combat de Myriam Rajavi est notre combat. C'est mon combat. C'est non seulement l'alternative, disons, de la résistance, c'est l'alternative politique de l'Iran. Elle est bien meilleure, cette alternative, que le fait de pactiser avec les Mollahs un accord nucléaire que nous savons que nous allons payer très cher. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui, plus que jamais, besoin de la réussite de Myriam Rajavi. Il nous faut que Myriam soit connue dans le monde, qu'elle soit reconnue dans le monde, qu'elle soit appuyée par les leaders démocratiques du monde, et en particulier les leaders des démocraties occidentales. Et c'est à nous, toutes celles qui sommes ici dans le podium, et à vous, qui pouvez aussi nous aider à faire que le nom de Myriam soit reconnu. C'est notre engagement d'aujourd'hui. C'est notre engagement de demain. C'est à nous de jouer pour permettre à Myriam de libérer l'Iran. Merci.